كلمة نائب الموقر لا لولا من لا لم تحسن لا لم تحسن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا سيد الرئيس. سي البريزيدان نختار بعد كنت هاي عد مال وقت محدد سي با اون كيستيون اورال ونختار هون عندنا دي شوز امبورطانت كنت نختار ونقولوها لكم. Je vais aller à l'essentiel, je vais essayer de faire rapidement et d'abord je souhaite la bienvenue à monsieur le ministre et ses collaborateurs. Je voudrais poser la question suivante au ministre. Est-ce qu'après le renouvellement des deux tiers du Sénat, est-ce que ça sera la fin du processus électoral? Dans la Constitution, dans son article 47, les sénateurs sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Dites-nous, monsieur le ministre, quel est le résultat de la consultation juridique que vous avez fait, sur laquelle vous vous êtes basé pour justement nous ramener dans une situation qui n'est pas anticonstitutionnelle. Je vous fais confiance. Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai une autre question à vous. Je voudrais savoir pourquoi, monsieur le ministre, on présente une personne en tant que président d'une organisation qui n'existe pas. Et là, je reviens encore au Kadira, avec laquelle je n'ai aucun problème. Mais il n'est pas tolérable, monsieur le ministre, qu'une personne soit présentée en tant que président d'une organisation qui n'existe pas juridiquement. Vous nous avez dit qu'elle n'a pas eu de récépissé, qu'elle n'a pas de reconnaissance juridique. Il n'est pas concevable que cette personne se présente aux élections présidentielles sous ce titre. Il n'est pas concevable non plus que les organisations internationales des autres pays travaillent, collaborent et parfois même priment et décorent ces genres de personnes qui travaillent dans l'illégalité absolue. Le Parlement européen, monsieur le Président, a condamné fermement l'arrestation et le maintien en détention de Biram Da Abed et de ses camarades. Pourtant, ce monsieur Biram et ses amis, que je n'appellerai pas président d'Ira puisque vous nous avez dit qu'Ira n'existe pas, a été accusé d'incitation à la violence, trouble à l'ordre public, outrage à l'autorité et appartenance à une organisation non reconnue. Pensez-vous, messieurs, que quelqu'un accusé de tout cela ne serait pas arrêté et jugé en Europe? Moi, je vous dis qu'il sera arrêté et jugé pour moins que ça. Alors, les Européens n'ont pas à s'ingérer dans nos affaires internes, surtout quand on ne leur demande pas. Et n'ont pas à nous accuser d'être un pays où sévit l'esclavage, surtout qu'ils n'en ont pas de preuves tangibles. Nous sommes un pays, une démocratie, dont toutes les institutions démocratiques fonctionnent, qui reconnaît qu'il existe au sein de ce pays des séquelles de ce fléau et de ces pratiques honteuses qu'est malheureusement l'esclavage. Et je pense qu'on s'attelle à y remédier. Le Parlement a voté à l'unanimité, majorité, opposition confondue en 2007, la loi contre l'esclavage. Et la Constitution l'incrimine clairement. Une grande agence qui s'appelle Tadamo, qui a un budget de 7 milliards 400, est en train de travailler et s'attelle à éradiquer ces séquelles de l'esclavage. Monsieur le Président, honorables députés européens, après ce que vous venez de dire et faire, et suite à ce qu'ont dit certains dirigeants africains lors du forum de Dakar, j'en suis venu à douter malheureusement de votre bonne foi et à croire, comme certains d'entre eux, que vous pouvez être responsable de certains problèmes qui existent dans notre cher continent, l'Afrique. En tout cas, s'il y a des problèmes en Mauritanie, je vous ferai assumer la responsabilité de la division du peuple mauritanien. On ne se mêle pas de vos affaires internes, faites de même s'il vous plaît. Surtout encore une fois qu'on ne vous l'a pas demandé. Nous ne cherchons pas la confrontation, ni avec les Européens, ni avec qui que ce soit. Mais comme on dit, il y a un proverbe qui dit que quand on s'y frotte, on s'y pique. Je n'aimerais pas qu'on en arrive à ce stade. Restons bons amis et c'est dans notre intérêt, autant le nôtre que le leur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Voilà, vous êtes juste dans le temps du chrono. Ça veut dire que si vous partez...